Tandis que vous commencez à entendre ces sons mélodieux à l'arrière-plan. C'est ici que commence un moment spécial pour vous. Un moment qui vous est tout particulièrement destiné. Un moment de profonde détente. Un moment de confort très intense. Il vous faudra peut-être un certain temps pour y arriver. Et c'est très bien comme ça. Faites-le surtout à votre rythme. Cet enregistrement a été conçu pour préparer votre subconscient au changement. Anéantir tous les blocages. Et nettoyer toutes les ondes négatives qui pourraient entraver votre évolution. Après une phase de relaxation physique profonde, nous aborderons une phase de détente psychique totale. En délocalisant votre attention sur des images douces et agréables. Bon voyage. Et tandis que ces sons particuliers s'écoule à l'arrière-plan, vous allez tout d'abord vous concentrer sur votre corps. Est-il détendu? Vous allez tout d'abord tester la tension qui subsiste encore dans chaque partie de votre corps. Commençons par la nuque. Et relevez légèrement d'un à deux centimètres la tête. Et relâchez la tête. Décollez la tête encore une fois. Tenez-la une seconde. Et relâchez cette tête lourde. Les muscles de la nuque vont maintenant se détendre. Passons tout doucement aux pieds et tirez vos deux pieds vers vous durant 3 secondes. Et relâchez les pieds. Laissez-les aller maintenant, simplement. Crispez les poings, fort, très fort. Et relâchez les mains librement. Elles vont prendre spontanément leur position de repos. Pensez maintenant à votre visage. Est-il détendu? Détendez le plus possible votre visage. Votre front lisse. Vos yeux clos simplement. Vos paupières lourdes. Votre bouche entrouverte. Les lèvres desserrées et la mâchoire décrispée aussi. Pensez maintenant à votre respiration lente et profonde. Respirez profondément et relâchez l'air progressivement.
Et lentement, laissez-le s'échapper à votre rythme. Pensez à votre respiration ample et complète. Respirez profondément et relâchez l'air progressivement. Lentement, contrôlez la détente de votre poitrine. Et maintenant, vous allez commencer à sentir la détente qui vous envahit doucement, comme les vagues de l'océan. Elle va progressivement, au rythme du ressac, vous entraîner vers un état de vide mental régénérateur. Et à chaque vague qui vous emmène vers cet état de bien-être, vous allez ressentir un peu plus cette détente. Inspirez profondément et relâchez. Et à chaque vague qui vous emmène, vous allez ressentir un peu plus cette détente. Les vagues, la mer, la détente, le repos, la sérénité vont ainsi progressivement vous envahir. Et peut-être ressentez-vous déjà un état de bien-être total. Conscient et détaché à la fois. Totalement détaché des contraintes du monde. Complètement en harmonie avec vous-même et vos aspirations profondes. Avec vos propres désirs. Votre énergie vitale va ainsi circuler maintenant librement en vous. Sans plus de barrières ni de tensions gênant son courant naturel. Et vous sentez peut-être cette sensation de fraîcheur se répandre à travers votre être. De la tête en passant par le dos. Elle s'écoule lentement, comme le ferait le ruisseau de la montagne. De son eau pure, claire et limpide. Et fraîche sur le sol de la terre. Ce flot de fraîcheur qui passe et repasse tout au long de votre être vous nettoie progressivement de toutes les impuretés, de toutes les ondes négatives qui auraient pu s'y incruster au fil des années. Et lentement, cet écoulement rince littéralement les profondeurs de votre expérience. Dégage les sentiers englués de vos mauvais souvenirs et dilue les bouts d'angoisse qui subsistent au détour de quelques chemins perdus dans les profondeurs
de votre subconscient. Doucement, au fur et à mesure que le ruisseau s'écoule en vous. C'est un corps totalement nettoyé de toutes les tensions, de toutes les angoisses, de toutes les peurs qui apparaît progressivement jusqu'aux pieds en passant par les cuisses, les genoux et les jambes, puis en remontant du ventre vers les épaules et jusqu'aux mains. Vous sentez avec plaisir et délectation ce flot de fraîcheur couler sereinement et résolument, sans que rien ne puisse contrecarrer son parcours. Dirigé par la gravité que nul ne peut contrer, et tout votre corps est maintenant détendu. Votre esprit lui-même commence à se détacher de tout, et seule votre conscience du monde, de faire partie de ce monde, plane en vous calmement, sereinement. Vous contemplez votre existence, le bonheur d'exister dans cet univers extraordinaire, et d'être tout simplement parmi toutes ces choses et ces êtres qui constituent la réalité, votre réalité. Vous êtes bien et vous contrôlez parfaitement votre histoire. Le bien-être est la sensation primordiale qui vous occupe. Et vous allez maintenant garder en vous, quelque part bien présente, cette sensation agréable qui vous habite à cet instant. Vous êtes parfaitement bien. Vous êtes en harmonie dans votre univers. Vous vibrez au même rythme que le monde dans lequel vous existez. Et chaque chose ou chaque être que vous allez rencontrer vous sera familier. Vous les contrôlez en quelque sorte, car vous savez que toutes ces choses et tous ces êtres, en apparence différents, font en fait partie de votre univers, du monde dans lequel vous vivez et dont vous faites partie, et qui constitue un tout unique et indissociable, qui vit, qui vibre, qui est énergie comme vous. Et c'est ce flot d'énergie que vous ressentez, qui vous habite, et qui se trouve partout dans l'univers, que vous allez garder au fond de vous avec la sensation de bien-être qui vous habite maintenant. Une énergie, une force extraordinaire.
se trouve en vous. Elle vous permet de trouver en vous les ressources pour vous ouvrir aux opportunités de changement qui s'offriront à vous. Laissez choisir votre subconscient. Celui-ci vous guidera en toute sécurité. Cela me rappelle des souvenirs de mon enfance concernant le désir et la pureté qui sont à la base de tout être vivant. Contrairement à ce que disent certains. Chaque nous étions quatre et chaque été, à voyager sur ce bateau tous les week-ends qui à la campagne, planait majestueuse dans une fermette qu'avaient louée mes grands-parents. Île de la Rivière, nous partions en le samedi midi par dans une petite voiture bleue. Mais quelle joie! À cela du faisait village, deux jours. Mon grand-père entonnait une petite chanson la ville qu'il avait de Tanyo, composée lui-même pour commencer dire cette aventure sur le point vers d'arriver. Le pays de la lumière. Et qu'il était heureux, appuyé sur le bord de l'embarcation, cul-de-sac. Je chantais de sorte que nous y avions très courage. De passage, une légende disait c'était une région que si nous suivions de bois le cours de cette champs, rivière, découpée au-delà des montagnes allégeantes, passer les gorges d'autres là, des champs de blé après le désert de Girvan, à perte de vue, nous entrerions qui s'étalait sur le territoire et des élans courses interdites. Un peuple qui alors vénère la lumière. Et que la bourrasque les seuls voyageurs qui en c'était sont revenus comme les vagues de la mer ont raconté des histoires si étranges. Chevelure à leur sujet géant. Il sur la semblerait tête nous marcherions que les pierres des cavernes où vivent les peuplades. C'était un paradis pour les enfants de la ville qui se retrouvaient la ainsi nuit venue, tel des Robinson, de feu, à jouer à cache-cache. Après deux semaines de voyage, nous touchions terre une journée au pays des courir clans dans la nature. Et, un et bon c'est bain, un enfant nous qui débarrassant vient à notre de la terre et de la poussière pour accumulée. Nous souhaiter la bienvenue. Nous filions au lit. Bonjour, dit-il. Pour une bonne nuit. Nous vous attendions. D'un sommeil réparateur devant notre mine surprise. Je me souviens très bien. Il nous rassura de cette matinée. En précisant, je devais ne avoir étonnez pas 5 ans. Ici, lorsque nous cultivons je beaucoup, descendis, le don que vous appelez télépathie, fraîchement sorti, arrivé des bras dans la fée, grande caverne principale, les marches qui de semblaient l'escalier leur tenir lieu de village. Chaussée, tant elle était grande, la radio était allumée, aperçue et que la température un peu naïve était parfaite. Caractéristique probablement de 25 diffusée par l'endroit d'où pouvait radio bien venir cette chaleur qui trônait, pensais-je, entre les deux fenêtres un du salon. Un individu au visage bien sympathique, couché je le foin avec le soleil blanche, pour témoin, s'approcha je de notre plus petit groupe. Et cela n'a pas vraiment d'importance. Il me tendit la main. L'escalier après grinça quelques minutes à chaque marche de conversation, y arriver en bas, lui exprimant dans la pièce notre étonnement
de multiples rayons dorés du petit garçon que le fringant celui-ci nous expliqua projetait déjà tous ses pouvoirs au travers des deux grandes sont fenêtres. En réalité cachées il régnait au fond de une étrange et agréable odeur par la pensée probablement vous pouvez un mélange transformer le de monde sabonné, dit-il de pain que ce soit par et de chocolat mauvaise de savon je m'arrêtai indécis au milieu de la pièce chaque pensée encore fait déjà endormie peut-être quelque part mais surtout l'action avec l'envie une fois pensée l'action ne s'arrête jamais n'a plus besoin que de s'exprimer. Le monde était simple en général propre. Les pensées sont agréables et sont galantées, planées par les personnes autour de moi, proches de ces idées. La journée nous a demandé qu'à se laisser vivre une collaboration et j'allais avec les pierres. Beaucoup m'amuser. Il. Au soudain, lieu d'être froide je fus interrompue et sombre dans ma rêverie. Elles sont devenues par l'entrée chaude, impromptue et lumineuse d'une des poules de mon grand-père. Ce sont qui de nos meilleurs amis à présent délicatement ses pattes aux temps anciens sur le carrelage notre peuple rouge foncé du couloir et mourait de froid à la cuisine. Et de faim. Elle s'arrêta en travaillant l'impression sur nous-mêmes, dévisageait. Nous sommes arrivés attendant à une autorisation spéciale certains pouvoirs naturels. Elle qui était enfoui au plus profond de nos entrailles à ma grand-mère. Même les celle-ci parois en pierre déjà de nos grottes comme tous les jours sont devenus en train de laver luminescent le sol à grandes eaux. Ce qui nous évite, je l'aperçois, d'utiliser le feu avec son immense seau d'eau pour nous éclairer. Répandant sur le sol et pour un couvrir les aliments le ras de sa certaines pierres sont si rouges et incandescentes le sol. Et qu'elle terminant enfin une chaleur avec la serpillière qui nous permet en de évacuant cuire nos les eaux usées sans devoir allumer de la de poussière que nous avions ramenée que la veille. Nous décidâmes vers les marches de leur demander de l'escalier de l'entrée l'hospitalité. Chaque week-end et de deux j'avais ainsi l'occasion pour quelque temps d'assister au bien spectacle sûr, dit le vieillard, du nettoyage vous pouvez complet rester de la fermer tant qu'il vous plaira et le si votre famille pouvait vous ainsi manque, commencer nous vous dans apprendrons la propreté à vous mettre en et la bonne humeur avec eux de et telle manière surtout, que vous pouvez commencer aucune la préparation tristesse du déjeuner à être loin dominical de votre village qui allait ainsi votre apprentissage durer très longtemps devrait durer deux diffusant mois au fil dès de la matinée vous permet différents arômes l'accès aussi à riche que potentiel intérieur et change définitivement ma rêverie. Vous serez prêt. De grands cris fusèrent à ce moment chez de vous la cuisine. Et quelques la poule n'eut pas d'autre choix que de prendre ses jambes à son cou. Les exercices évitant ainsi de passer pour plus vite que prévu de à briser la les mauvaises je me dirigeais de ensuite vers la table et adopté de où j'aperçus comportement un grand bol de chocolat fumant pour vous
et vos proches. Il nous montra ensuite nos chambres à coucher. L'idéal est de s'ouvrir sans a priori au futur. Et surtout de se dire « Cela pourrait marcher. » « Je n'ai rien à perdre. » « J'ai tout à gagner. » « Tout à gagner. » Une fois arrivé à ce stade, « Le mieux est de mettre toutes les chances de son côté. » « Et de s'investir à fond. » « À 100%. » « Dans le but. » Que vous vous êtes fixé à 100%. Car vous êtes là pour cela et pas pour autre chose. Donc, autant vous concentrer totalement vers ce nouvel objectif. Que vous vous êtes fixé. Bonne chance. Nous dit le vieillard. Et nous nous endormîmes. Vous avez maintenant conscience de la force qui est en vous. Vous êtes totalement libéré de toute tension. Et totalement détendu. Vous avez ouvert la porte du changement et de la réussite en vous. Cette porte ne demandait qu'à s'ouvrir. Et maintenant, elle est grande ouverte. À vous de l'utiliser à présent. Le plus souvent qu'il vous plaira, pour que vous puissiez utiliser cette porte du changement de manière intéressante pour vous à chaque fois que l'opportunité se manifestera. Il est essentiel de penser positivement. D'ailleurs, chaque expérience, bonne ou mauvaise, recèle toujours un côté positif. Pour peu qu'on l'analyse objectivement. Ce côté positif, c'est le nouvel aiguillage que cet événement a créé en vous. Il y a toujours un enseignement, un enrichissement dans chaque expérience vécue. Même les plus mauvaises expériences peuvent, dans la plupart des cas, être transmuté en énergie positive. À condition simplement de s'en souvenir, d'en tenir compte et de procéder à l'avenir différemment. En effet, vous garderez cet épisode en mémoire. De telle sorte qu'étant reconfronté à une situation semblable, vous pourrez réagir différemment et capter uniquement l'aspect positif, cette fois. C'est ainsi
qu'un jeune oiseau apprend à voler. Et après plusieurs essais et erreurs, à chaque fois intégré et corrigé, finalement, il s'envolera. C'est ainsi qu'un jeune enfant apprend à marcher. Et c'est ainsi qu'un adulte, au fil des années, au fil des expériences, au fil des douleurs et des pleurs, devient une personne formidable. Vous avez fait un petit voyage amusant aux frontières de votre subconscient. Vous constaterez avec plaisir comment ce pays vous fera découvrir d'étonnantes facultés cachées en vous. Au plus profond de votre moi intérieur, des facultés que vous ne soupçonniez pas. Un pouvoir extraordinaire se cache en vous. Et vous êtes le seul à pouvoir le faire s'activer. Vous pouvez maintenant laisser parler votre nature intérieure. Ses limites sont tellement lointaines que vous n'aurez pas assez de toute votre vie pour la visiter. La vie est finalement quelque chose d'extraordinaire. L'énergie qui vous habite est fantastique. Et tandis que votre conscient retrouve la réalité du confort profond qui s'est installé dans votre corps, vous vous demandez si vous étiez endormi ou éveillé. Pendant cette expérience, vous étiez probablement plongé dans un état intermédiaire entre veille et sommeil, l'état d'esprit idéal pour s'imprégner de nouvelles idées, de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations et de nouveaux comportements dont vous avez besoin. Et dans les jours, les semaines et les mois qui suivront, ce que vous avez appris apparaîtra subtilement ou très concrètement. Là et quand vous en aurez besoin. Ainsi, avec cette pensée qui résonne doucement au plus profond de votre esprit, vous commencez à revenir à un état de veille normal. Et lorsque la musique se sera estompée à l'arrière-plan, vous pourrez vous réveiller complètement, alerte, frais et détendu. Et vous relevez à votre rythme.